Good morning, Aleïden, les tutres aujourd'hui, le Lunishmat, Rachamim ben Rosa, Chaya bat Tova, ainsi que les Refouat, Raphaël, Zevulun ben Chermelia, Yeremat Chassida, Dov ben Yehudit, Sarah ben Vitirotha, Vator Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la Sacrée Unité Éternelle. Nous étudions Masechet Bechorot, Perek Gimel, Mishnah Dalet. Se'ar Bechor ba'almum shenashar ve'hinicho ba'chalom. Ve'achkach shchato, akaveh ben ma'alalel matir, ve'achachamim osrim, divrei Rabbi Yehuda. אמר בי יוסי, לא בזה איתי רבי אגביה, אלא בשר בכור באלמום שנשר והניחו בחלון ואחר כך מת. בזה אגביה בן מלא למתיר והחכמים מוסרים. הצמר המדובלל בבכור, עת שהוא נראה מן הגיזה, מותר, ועת שאינו נראה מן הגיזה, אסור. גוטינו הברלין עונות משנה, דו לנטרדי דו גיזה, לנטרדי דו טונדר לבכור. לבכור, donc le premier-né des animaux, des vaches, moutons, tout ça, on va parler concrètement des moutons, puisqu'on parle de laine. Donc le premier-né de la brebis, alors il a une gdoucha de Bechor, pour le moment. Tant qu'il naît et qu'il n'a pas de défaut, il est kadosh. La laine qui va se sortir de ce Bechor, même si elle va tomber d'elle-même, elle va s'accrocher à un petit buisson, et bien on n'a pas le droit de profiter, c'est kadosh. Donc on ne parle pas de ça. On parle dans notre Mishnah maintenant du cas où le Bechor a eu un défaut. Dès que le Bechor il a eu un défaut, alors il a la particularité de maintenant de devenir un animal permis à la consommation. Ok ? Maintenant, quand il est permis à la consommation, certes, on n'a pas le droit de le tondre en l'état. C'est-à-dire, on va parler concrètement. J'ai donné le mouton premier-né au Kohen, comme ça on apprendra dans le prochain Pérec, à partir de combien de temps on peut lui donner, je l'ai transmis au Cohen, et le Cohen maintenant, il attend patiemment qu'il va avoir un défaut, il va avoir la lèvre, l'oreille qui va se fissurer, une fissure qui ne peut pas se refermer, il est devenu inapte à devenir un corban. Ça y est, le Cohen il a le droit de l'égorger. Le Cohen maintenant il traîne encore quelques jours pour l'égorger, et puis avant d'égorger il aurait voulu tondre le mouton. Est-ce qu'il peut le faire? Réponse, non. Il y a un interdit de Giza va avoda. Avec le Bechor, avec tous les Mugdashim, tous les Korbanot qui ont été invalidés, malgré tout, on n'a pas le droit de travailler avec eux, on n'a pas le droit non plus de les tondre et de profiter de leur laine. On a juste le droit de les égorger pour les manger. D'accord? Maintenant, deux choses à préciser. Une fois que je l'égorge, j'ai le droit de profiter de la peau et j'ai le droit de profiter de la laine. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'original. J'ai pas le droit de tondre le mouton tant qu'il est vivant. Mais une fois que je l'égorge et que maintenant je vais récupérer la peau, eh bien, j'ai le droit de le manger, j'ai même le droit de profiter de sa peau, et j'ai même aussi le droit de tondre la laine et de le récupérer. Cette fois-ci, il n'y a plus d'interdit. Mais tant que l'animal il est vivant, je n'ai pas le droit d'en tirer profit. J'ai pas le droit de le tondre. Maintenant, le cas particulier, c'est lorsque le Bechor il est passé dans un endroit et il s'est arraché des poils. Ils sont restés accrochés. En théorie, selon la Torah, j'ai le droit d'utiliser ces poils, cette laine. Pourquoi ? Parce que l'interdit, c'était que de le tondre. Mais quand elle est tombée d'elle-même, il n'y a plus d'interdit. Et il n'y a pas de gdoucha non plus. Donc en théorie, j'aurais le droit de l'utiliser. Seulement, Chachamim, ils ont dit, oh là là, si on va commencer comme ça, demain, ça va être la catastrophe. Les gens vont commencer à laisser les moutons Bechor, à les laisser pousser. Et puis, en attendant, en mettant par-ci par-là toutes sortes d'épines et tout ça, demain, est-ce que la laine va tomber d'elle-même et qu'il va récupérer la laine? On ne va pas tolérer de faire ça. On va interdire complètement la laine de son vivant. Il y a à présent, une fois qu'on va égorger, d'accord? Donc pour le moment, la laine est interdite. Une fois qu'on va finalement égorger le mouton, c'est le sujet maintenant de notre Mishnah. Donc, vous avez suivi le cas? On parle du cas en fait. Je répète, probablement. Comme ça, maintenant, on va rentrer dans le vide de la Mishnah et je répète rapidement quand on a les données claires. Le mouton, il est vivant, j'ai pas le droit de le tondre. Si la laine elle s'arrache d'elle-même, j'ai le droit de l'utiliser. En théorie, selon la Torah, mes chachamim m'ont dit non, on ne te permet pas. Sinon, tu vas commencer à laisser le Bechor tel quel, jusqu'à la fin, pour pouvoir faire de la laine. Maintenant, une fois qu'on va égorger le mouton, j'aurai le droit d'utiliser sa laine, qui est accrochée en ce moment. Le sujet maintenant de notre Mishnah, il est de savoir. Avant d'égorger le mouton, la laine elle est tombée toute seule et je n'avais pas le droit de l'utiliser. Finalement, j'ai égorgé le mouton. Est-ce qu'on va dire, t'as égorgé le mouton, donc t'as le droit de profiter de la laine de toute façon, qui est encore attaché au mouton. Donc, on ne va pas t'interdire la laine qui est tombée d'elle-même auparavant, étant donné que tu aurais pu ne pas... Il n'y a personne, en théorie, quoi, il n'y a personne qui va se mettre à arracher la laine si dans quelques minutes, dans quelques jours, il va égorger le mouton.
pour pouvoir finalement profiter de la laine. Donc pourquoi il va le faire? Est-ce qu'il y a lieu de faire une xéra ou non? Il y a sur ça une double discussion dans la Mishnah, comme on va expliquer. C'est-à-dire une discussion, est-ce qu'il y a une discussion, en fait. Il y a deux avis dans la Mishnah. Je présente la Mishnah tout de suite, comme ça on va comprendre. Il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi sur quoi Akavia ben Malalel et Chachamim est en discussion. C'est-à-dire Akavia ben Malalel et Chachamim et Akavia et Chachamim. Akavia ben Malalel et Chachamim étaient en discussion. On ne sait pas exactement de quelle situation, mais étaient en discussion, bidouk, sur quelque chose qui ressemble à ça, qui est de la laine qui s'arrachait d'elle-même, et après le mouton, il était soit égorgé, soit mort de mort naturelle. Il y a une discussion, on va expliquer exactement sur quoi, mais en tout cas, il y a eu, dans un de ces deux cas, que c'est un peu flou ce qui s'est passé, il y a eu Akavia qui a dit tu as le droit d'utiliser la laine, et Chachamim qui ont dit tu n'as pas le droit d'utiliser la laine. Dans quel cas particulier on parle? Selon Rabbi Yehuda, le premier rabbi de la Mishnah, cette discussion, elle se retrouve lorsque finalement tu as fait la shrita à l'animal. Donc il est devenu permis à la consommation. Et comme il est devenu permis à la consommation, tu as le droit de profiter de la laine qui est encore attachée. Sur ça, Kaveh, il a dit, il n'y a aucun problème. Prends aussi la laine qui est tombée avant. Et Rami me dit, non, de son vivant, c'est interdit. Ça va être le premier avis, ça va être Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossi va nous dire, non, dans un cas pareil où tu as fait la shrita au final, c'est sûr que la laine qu'il y avait auparavant qui est tombée elle-même, qu'elle est devenue permise. Il n'y a aucun doute sur ça. Tout le chidouche de la Mishnah, la discussion entre Akavia et Chachamim, c'est au cas où l'animal il est mort de lui-même. Que dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de profiter de sa laine, parce que tu n'as pas fait la shrita, tu dois juste l'enterrer. Malgré tout, Akavia va te dire, malgré tout, la laine, elle était permise, et Chachamim interdit. D'accord, vous avez compris le truc? On explique la Mishnah, on y traduit la Mishnah très rapidement. Se'ar bechor ba'almum. Les poils, donc la laine d'un bechor, d'un premier-né qui a eu un baalmoum, qui a eu un défaut. Shenachar, qui est tombé de lui-même, il s'est accroché à un pic, à des ronces. Vehinicho bachalon. Et il a posé à la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi chaque fois on parle de vehinicho bachalon, je n'ai pas vérifié la question. Mais en tout cas, bon, et ça va pas maintenant, je ne sais pas si on en parle un peu. Et en tout cas, il a posé dans un endroit où il ne comptait pas en tirer profit initialement. Pour le moment, l'arkav shrato, et après il a fait la shrita du Bechor, il a fait la shrita. D'accord? Donc maintenant, une fois que tu as fait la shrita, tu as le droit de toute façon de profiter de la laine qui est encore attachée au Bechor. La question est de savoir, est-ce que la laine qui a déjà été détachée auparavant, est-ce qu'il y a un interdit dessus? Et sur ça, il y a Akavia ben Malalel Matir, Akavia ben Malalel permet, Bachachamim Osrim, Bachachamim interdisent de tirer profit de cette laine, de peur, comme on dit, que tu vas laisser l'animal vieillir pour pouvoir récupérer toutes sortes de laine de profit comme ça. Indirect, donc on va pas te permettre, on t'interdit complètement de profiter de la laine, comme ça tu dépêches de l'égorger, on apprendra bientôt qu'il faut se dépêcher, une fois que le Bechor il a eu le défaut, il faut se dépêcher de faire la shrita, faut pas laisser traîner. Divrei Rabbi Yehuda, tel avis de Rabbi Yehuda, c'est sur ça qu'on discutait Akavia ben Malalel et Chachamim. Donc lorsqu'on a fait la shrita finalement, que ça permet de toute façon la laine, est-ce qu'on va permettre aussi la laine qui est tombée d'elle-même? Amar Rabbi Yossi lui a rétorqué, l'obazé tira kavia, c'était pas sur ça qu'il y a eu la fameuse permission de la kavia, la phrase elle est un peu problématique, pardon, elle explique, c'est pas sur ça qu'il y a eu la fameuse dérogation de la kavia, parce que dans un cas pareil, c'est sûr que c'est permis, même d'après Chachamim, il n'y a pas de doute que c'est permis un truc pareil, puisque de toute façon tu fais la shrita et qu'à la fin ça va te permettre la laine qui est rattachée, alors on va pas interdire la laine qui est tombée d'elle-même. Sur quoi il y a une discussion? Elle a bessehar bechor baalmum shenachar. Mais plutôt sur les poils, la laine d'un Bechor, Baalmoum, qui a eu un défaut, Shenachar, et qui est tombée d'elle-même, cette laine, elle est tombée d'elle-même, elle s'est arrachée toute seule. Vinicho Bachalon, et il l'a posée sur la fenêtre. Bacharkar, met. Après, le Bechor, il est mort de mort naturelle. Sur ça, il y a la fameuse discussion que, basé à Kavia ben Malalel le matière dans un cas pareil, c'est là où Kavia ben Malalel a dit, malgré tout, je permets de tirer profit de cette laine. La Chachamim Osrin et Chachamim ont interdit, étant donné que la laine, elle n'a eu aucune permission finalement, puisque lorsque l'animal est mort de mort naturelle, tu ne pouvais plus le tondre. De ce fait, tu n'as pas de permission sur la laine, donc même la laine qui est prise d'elle-même, on te laisse dans l'interdit. Autre dernier petit sujet de la Mishnah maintenant, on a dit, c'est quelque chose d'original. Tant que. Donc finalement, il y a des situations, plutôt d'après le premier avis, donc d'après Rabbi Yehuda, il y a une situation, la halakha est fixée, comme le chachamim de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'en fait, concrètement, l'animal, s'il a eu des poils qui sont tombés de lui-même, qui se sont arrachés d'eux-mêmes, et bien même lorsqu'on va lui faire la shrita, on ne pourra pas récupérer
cette laine qui est tombée d'elle-même de son vivant. D'où la question de la suite de la Mishnah. La laine qui a commencé à s'arracher, mais qui reste en train de pendouiller sans complètement se découper, tomber du mouton. Ouais, il y a eu le mouton, il est passé dans des ronces par exemple, ça lui a arraché une partie de la laine, mais sans qu'elle soit détachée complètement. Elle est restée en train de pendouiller. Ça s'appelle du Hatsemer Ameduvlal Babechor. Un tsemer qui pendouille dans Bechor. Est-ce qu'on considère que maintenant, elle pendouille, c'est fini. C'est de la laine qui a été arrachée de son vivant, et donc elle est interdite à en tirer profit, même si tu ferais la shkata du Bechor. Ou est-ce qu'on veut dire que non, au contraire, finalement, elle est encore attachée. Alors la Mishnah m'enseigne, « Et si on ira, Minagiza, si, littéralement, ça semble être une partie intégrante de la Giza, de la tonte entière, vous avez rien compris, mais on expliquera tout de suite après. » Alors là, c'est permis, mais par contre, vet shenonira minagiza. Par contre, si ce bout de laine qui pendouille n'est plus considéré comme une partie intégrale de la giza, de la tonte, alors c'est interdit. On parle, c'est très simple. Laisse le bout pendouiller. Va faire maintenant la shrita de l'animal. Tu le dépaisses et tu tonds toute la laine. Et après, tu regardes qu'est-ce que tu as. Si tu vois que finalement tout ça, ça fait une partie, il y a une certaine forme, ça fait partie d'un seul groupe, c'est harmonieux ensemble. Alors c'est bon, c'est permis à la consommation même si ça s'est arraché. Mais si quand tu vois, tu vas avoir la laine qui va prendre un certain volume, et puis tu as un bout qui dépasse sans aucun... Tu vois que c'est un bout qui a été complètement déconnecté, alors dans ce cas-là, ça s'appelle que la laine elle a plus de rapport avec le reste de la tonte, et donc toute la laine sera interdite. Toute cette laine qui s'est arrachée d'elle-même, donc elle sera interdite à en tirer profit, comme le début de la Mishnah nous l'enseignait. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'aslacha. Kol tov, salam.